Soleil du vent, soleil du temps. On est à plein temps. Bonjour à vous. Ça va ou quoi les gars là? Quand on se retrouve après une dure nuit de sommeil là, parce que c'est pas date là que j'ai bouffé la tiktokeuse. Bah, j'avais encore très faim finalement, hein. Là je fais genre là, ouais c'est incroyable. Là, bah, c'est bon. Tu peux mieux faire meuf, fais attention à ton job. Ouais mon gars. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, super ce que je viens de faire. Regardez. Et les nanas elles viennent pas vers moi. Non mais ta gueule gros. Non mais ta gueule. Vous faites fausse route les filles. Vous faites fausse route. Regardez-moi. Regarde. Il manque pas quelqu'un ici, sérieusement. Peut-être pourquoi pas un homme. Ouais, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Parce que moi je diverse. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Bah déjà, on va faire le montage, tu dois faire tout le montage. Là, je parle des patates, tout ça, nanani. Je fais le montage de ça, une partie. Je pense que la vidéo de la patate, là, elle va sortir tard le soir. Ouais, faut mieux que je m'organise, tout ça, c'est bon, ouais. Wow, c'est bon, les gars, merde. Mais après ça, on doit toujours maigrir, hein. On a toujours cette optique. Parce que bon... C'est pour ça qu'on doit maigrir. Si vous l'aurez oublié, voilà. Et du coup, on va faire du sport. On va faire des pompes, des abdominaux. Histoire de faire ça, parce que bon, comme je vous ai dit, objectif summer fit. Je vis dans le paraître, mais c'est comme ça. Je pense que c'est bien aussi pour la santé, comme je le dis souvent. Après le sport, et bah, vous savez quoi? On va tester un kebab espagnol. Après le confort, le réconfort, jeune. Après le confort, le réconfort. Mec, déjà faudrait que je revoie mon orthographe. J'ai beaucoup de mal aujourd'hui. J'ai beaucoup de mal. Ouais, c'est dur. Ça fait mal. Ta gueule. Ok, on se remet dedans. Bon, avocat, toast, omelette, tac, 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 sport, pompe, abdominaux. Ouais, après on va tester le kebab, hein. Après l'effort. Le réconfort. Ouais, je bouffe mon truc parce que histoire de se mettre un truc dans le gozo. T'es choqué parce qu'après, gros, on va lire les commentaires. Je suis très proche de ma commune. Je suis le youtubeur le plus proche de ma communauté. Ok. Michou, Inoxtag, Master Batman. Je crois pas qu'ils font ça, gros. Alors que moi je le fais, mon gars. Ouais, ils ont 1 million d'abonnés. Non, ça veut rien dire ça. Regarde, moi j'ai des centaines de vues. Des centaines de vues. Et je le fais quand même. Et voilà. Dès que je mets un croc, ça switch de plan. Dios mio! Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien de sommeil de ces nuits. Je l'aime. Bon, espace commentaire. Ce plan il est pas mal hein? On l'aime bien ce plan, on l'adore ce plan. Bon, on passe directement à espace commentaire parce qu'on est une communauté si belle qu'on ne peut pas. On ne peut pas passer outre ces commentaires fabuleux. Allons voir ma chaîne YouTube. 30 vues. Les gars, on a un déclin total, les gars. C'est pas possible. Il faut faire un truc, là. 26 abonnés, par contre, là, je suis super content. Là, je vous retrouve. 30 vues, merde. Oh, merde. Putain, fais chier, quoi. Bon, allez, hop, dernière vidéo. Et on va se témoin les commentaires. Oh là là. Des beaux petits commentaires. Donc déjà, on a Antoine qu'on avait déjà lu dans la dernière vidéo. Le roi des commentaires. Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est lui. On sait pas. Merde, je crois. Merde, je crois que je commence vraiment à aimer ce contenu quotidien. Et bah ça fait plaisir Antoine. Ça fait très plaisir. Incroyable ce vlog. On se croirait à tes côtés. Oh là. Kenzo directement qui a cherché. Mais les deux. Mais non, c'est les habitudes de la chaîne, hein. C'est déjà qu'on compte sur eux. Ilan, 4h53 du matin. Je préfère regarder que dormir. Demain, ça va claquer le taf. Mais tant pis, la chaîne du premier youtubeur français passe avant. Smiley qui pleure de rire. Et un petit cœur. Ilan, mec, c'est un plaisir. J'ai adoré ce type. Donc, le temps était morose en ce matin. Mais grâce à toi, Zeb. J'ai le smile. Tu as un sourire communicatif. J'adore cette phrase. C'est ce que j'essaye de transmettre finalement. Toutefois, j'ai été zappé lorsque tu parlais des commentaires. Quand je lis ça, je suis vraiment désolé, Rico, et je... Ah, c'est sûr que je ne zapperai pas. Et même, je peux mettre une photo de mon bro ici, mon grand copain.
et moi. Je t'encourage en postant un like. Bye. Encore au rendez-vous pour un moment de pur plaisir en compagnie du boss. Hop, et ça c'est la famille qui régale, c'est Babanzer, c'est mon frère. Un grand cœur aussi à ça. Hein. Et Mousse toujours, hein, Mousse. Mousse, Kenzo, Vicos, là c'est que des... Quotidiennement, c'est eux qui me font donner le smile finalement. La petite notif qui fait plaisir. Pour voir du divertissement pur. Toujours un régal, Mousse. Gros love. Je t'adore, Mousse, tu sais que je t'adore. Et là, on l'entend moins, hein, Axel Angar, on s'en souvient. Truc énervé, tout ça. Revenons un peu en arrière, souvenez-vous de lui. Donc je vous l'avais dit. Ah, celui-là, on n'aime pas. Je déteste cette personne, je pense être son premier hater. Est-ce le début de la sécurité pour lui? L'enculé. Et là, on l'entend moins. Saloperie, va. On a Corentin le Naour directement qui vient nous chercher. Je suis le Naour. Il vient nous chercher sur déjà youtubeur de l'année. Oh la grande classe. Merci à toi Coco, c'est super ce que tu me dis. Et voilà, hein. Franchement, rien à dire, hein. commis aux anges. Est-ce que je mérite ça? Je ne sais pas. Mais si je l'ai, alors je vais en profiter et je vais encore les remercier. Moment d'émotion. Merci, c'est beau ce que vous me donnez. Déjà, on est déjà 26. Hein. Je vous ai dit, hein, Miguel, attention à toi jeune. Attention à toi. Merde. Bon les gars, moi je vais faire le montage et on se retrouve... faire les abdominaux, c'est ça, oui. Entrez l'athlète Seb. Et Et c'est parti pour le sport, là on est en tenue, tu es au top. La grande classe. T'es choqué gros, je vais te lâcher des pompes. Séance pompe et abdominaux, je vais le faire après de mon côté. Parce que le programme que je vous propose, c'est tirer du Thibaut. Thibaut le Dame, Thibaut in shape. Thibaut, il nous fait une série de 30 secondes de pompe, normal. 30 secondes de pompe, je sais pas comment on appelle ça, tu fais une pompe, et après tu lâches tes mains, voilà. Après, pompe diamant, je crois que ça s'appelle comme ça. Après, une pompe où tu ralentis, en 30 secondes tout ça, en 30 secondes. 30 secondes une pompe, diamant, tout ça. Et pour finir, 30 secondes, tu fais une pompe et tu... Tu claques l'épaule, gros. Donc on est parti pour ça, mon gars. Première série de 30 secondes partout. On commence, mon gars. Allez. Oh là, l'athlète, Zeb, l'athlète. Ouais. Ta gueule. Normal, c'est passé tranquillement, les gars. Oui, oui. Oui, fais la belle, fais la belle. Hop. Allez jeune. Pince au kebab. Oui, super Zeb. Bonne lancée. On passe au... On passe au diamant les gars. Allez, on passe au diamant. Repos. Ça va fou chaud quoi. Allez, ça passe. Ok, là on entame pour ralentir. Courage. Oh merde. Ta gueule. T'as tout étendu là. Dernière série les gars. Et après je dois en refaire une autre. Faites-moi confiance, je vais les faire les gars. Je vais vous filmer tout le temps. Je vais les faire, je vous dis. Coupe épaule. Coupe épaule. Allez, j'ai. Oui. Belle posture. Dernière. Oh la vache. Thibaut, si tu as la vidéo, mon gars, attends. Attends 2 ans, tu verras comment je suis monstrueux, mon frère. Ouais, moi je fais mon truc. Et on se retrouve pour aller chez le grec. Hein. Tchao. Les gars, je suis tout stock, je suis tout congestionné pour les nanas. Et ouais, faites pas genre, on fait tout ça pour elles, pour mesdames. Regardez gros, get l'outfit. T'es choqué gros, j'ai sorti le Magui. On est prêt pour aller au Grecos. Ouais, toujours des bras aussi ridicules. Ça va dégomme ça et on est parti, gars. Il y en a un qui voulait se faire entendre. La bête voulait sortir. Wow.
ouais, carrément de sortie là. Putain, mes petits bras, c'est vraiment... J'espère que ça va pas trop bouger pour vous, les gars. Et vas-y, ça part au grec. Et demain, le vlog de demain, il sera un peu... comme là, gros. Un baiser, oui. C'est la star qui va, quoi. Le vlog de demain, il sera un peu bizarre parce que demain, gros, il y a une grosse soirée. Hein, parce que là, vous me voyez très tout seul. Mais normalement, je suis avec... J'ai des collègues, quand même. J'ai des collègues, comme je vous ai dit. J'ai des collègues. Demain, ça va se la foutre, hein. Je pense qu'il fait un... Et il me tend lui gros. Oh non, je rigole, gros. On va se mettre une mine, ouais. Boire pour boire vite fait, ça ne sert à rien pour moi. Il faut toujours la caissas, c'est comme ça que ça marche. Demain, caissas, on a un bifort chez mon collègue. Et après, je crois que c'est dans une villa, un truc comme ça. Bah, je finirai tout ça, ok, en fait. Je fais trop vos gros frère. Après l'effort, le réconfort. T'as du coup. Putain, mais vous me suivez ou quoi? Non, non, c'était même pas en vrai. C'était même pas en vrai, donc pensez même pas ça. Peut-être que si. Non, 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 je rigolerie, voilà. Putain, tu auras de rire, merde. Bon, comment on se retrouve, les gars? Le bijou est là. Après du sport, rien de mieux qu'un grecos. Et ouais, les gars. 4 euros le grec. J'en salive. Faut savoir que les grecs, surtout les grecs français qui sont différents des autres, hein. Là, c'est du vrai pain, mon gars. Par contre, j'ai oublié le supplément feta, gros. J'ai trop la haine. Et ils ont même une broche poulet, gros, mec. Ça régale, gros. Regardez-moi ça. Oh, ouais. Ah, j'en connais qui vont saliver. Hein, espèce de gourmand. Il est pour vous, celui-là, gros. Merde. Entendu? Merde. Y'a rien qui va, je prends plus plaisir. J'ai le ok, ça fait depuis 2002, je suis né en 2003 que je l'ai pas eu. Putain la vache. Je m'excuse. Attends, je vais chercher un mon Sony. Collaboration. Avec Sony, vivez la vie en funny. La grande classe. J'ai pas pu profiter, gros, j'ai fait le ok. Il est parti en 2 secondes, j'ai pété mon truc. Je vais retaper ça, gros. Qu'est-ce que tu veux de plus? Non mais dis-moi, même pas une fée qui touche les boules. Un de plus, tu me laisses tranquille. Laisse mes boules. Laisse-moi bouffer mon grec. On sèche les babines carrément. Hein. Ah, il faut absolument. On laisse rien de côté quant à cette merveille, gros. Et vous préférez croquer un bout dans la viande? Dans la viande ou ici, genre? Ça, c'est un débat en vrai. Hein. Moi, je préfère plus là où il y a les, la laitue et tout. Non, j'en ai pas assez, frère. Là, je fais genre avec le kebabier, gros. Je prends pas de frites, mais j'ai trop faim. Hein. Bon, moi, je me bouffer ça, les gars. Et on se dit à plus tard. Hein. Non, avant de se dire à plus tard, quand même. Qu'est-ce qu'on retient de cette semaine de vlog? Pour être honnête avec vous, je pense qu'on va faire peut-être une fois par mois cette semaine de vlog. Hein, parce que c'est long et ça me prend trop de temps. Et je n'enjoy pas comme je le veux, en fait. Moi, je préfère limite faire truc et faire des shorts. Ça, j'ai vu, ça marche pas mal. Niveau revenu. Oh ouais. Je pense aussi que là maintenant je vais faire des vlogs, deux vlogs, un truc comme ça, on se donne ça. On fait des trucs qui nous paraissent cool, qu'on soit content parce que là j'enchaîne limite sans revoir mes vidéos. Mais il faut se rendre compte des choses et c'est pas mal hein. C'est peut-être pas la bonne solution hein, une semaine, un vlog pour une semaine. Au moins on est content que... De cette approche. De se dire que c'était peut-être pas la bonne solution. Et peut-être qu'il faudrait faire des trucs un peu plus extérieurs. Et le temps de bien monter, de bien apprendre. Même si le montage, j'aime bien ça. Et là, j'enchaîne et j'ai mis beaucoup de temps pour moi. Alors j'ai H24. Un bouffeur de cartes graphiques. Mais la caméra. La caméra était tombée. Non, mais je pense que on va enjoy plutôt. Moi, je vais enjoy de mon côté là demain. Pas faire grand vidéo. Ça se trouve, vendredi, il n'y aura pas de vidéo. J'ai pas envie de vous mentir, les gars. Ah bah je vous dis à plus tard les gars. S'il n'y a pas de vidéo demain, on se dit à la semaine prochaine où je ferai des conneries hein. De toute façon on se retrouve souvent pour des conneries les amis. On se dit à la prochaine hein. Bon allez. Ciao. You look lonely.